Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo rapide aux supporters et au peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez bien cette vidéo-là. Écoutez bien cette vidéo-là. Je vais d'abord parler aux supporters. Vous savez, vous allez me dire, pourquoi toi-même tu ne vas pas au stade? Vous avez raison. Vous avez raison. Je devais être au stade à Boaké, je devais me déplacer. Mais en vrai, pour ceux qui me connaissent, les gens savent que les histoires de full comme mouvement des stades, c'est le moment que j'ai jamais kiffé en fait. Sinon, chaque jour, on me propose des tickets. Tout frais payé. Voilà, je supporte les téléphones au stade, mais j'ai décliné ces offres là parce que c'est pas mon truc en fait. Je préfère supporter chez moi à la maison, sur mes différentes pages. Vous comprenez un peu, non? Donc, sur ce plan-là, vous avez raison. Donc, déposez-moi. Mais je veux parler aux supporters. Ceux qui ont effectué le déplacement. Ceux qui ont effectué le déplacement. Écoutez-moi bien. Vous avez supporté une équipe, c'est pas lorsque cette équipe-là marque seulement. C'est vrai. On incrimine toujours nos joueurs, on incrimine toujours nos coachs, on incrimine même la fédération. Mais supporter une équipe de football, là, même quand elle est menée 10 à 0, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, il faut continuer à l'encourager. Il faut continuer à faire du bruit. Vous savez très bien que ce match d'aujourd'hui, là, c'est un match qui ne sera pas facile. Bien qu'on va le gagner, mais il ne sera pas facile. Donc en plus de la qualité de nos joueurs, de l'individualité de nos joueurs, on va dire... du collectif qu'on a, il faudra vraiment donner de la voix. En tout cas, pour ceux qui sont au stade. Et je sais que le stade sera plein à craquer. Parce que c'est un match de ouf, c'est un gros match. On a vraiment besoin de vrais supporters. On ne veut pas les supporters quand on nous marque. Silence radio. À part les gars, le comité des supporters là, qui font les mêmes bruits. Ça fait au moins peut-être 50 ans maintenant là. À part eux. Tous ceux qui sont venus au stade là, vous êtes là, vous êtes un spectateur. Il faut donner de la voix. Il faut créer un mouvement. Il faut qu'il y ait un ou deux fous pour créer l'ambiance. Motiver les supporters, il faut motiver tous les supporters qui sont au stade. Et vous allez voir que cette énergie positive là, ça va se communiquer à nos joueurs. Et puis vous allez voir, ça va aller naturellement. Ça va aller naturellement. La CAN est trop belle, l'organisation est trop belle. Les infrastructures sont trop belles. Mais il faut qu'on ait de vrais supporters au stade. Supporter, c'est pas seulement quand ton équipe marque des buts. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit, non? Je compte vraiment sur ceux qui sont au stade aujourd'hui là. Il faut vraiment donner de la voix. Il faut pousser nos éléphants. Même si on prend un but, ce qui ne va pas arriver. Il faut continuer à rester constant. Vous allez voir que le résultat final là, sera pour nous. Vous avez vu un peu l'équipe du Nigeria. Vous avez vu les supporters. Quand la Guinée qu'on a créé a marqué le premier but, c'est là même qu'ils ont énervé les supporters nigériens. Ils ont été choqués sur le coup. Mais après ça, ils ont supporté leur équipe jusqu'à ce que leur équipe revienne au score et mène 3-1. Pour prendre les cadres pour les demi-finales. C'est ça des supporters. Et c'est ce que je veux voir au stade aujourd'hui. Deuxième chose au peuple ivoirien. Vous savez, la Côte d'Ivoire est le pays le plus hospitalier. C'est pour ça, quand il y a des petites erreurs, beaucoup s'empressent de poster. Parce qu'il y a de la jalousie gratuite. Pour rien. Il y a un complexe qui ne se dit pas autour de nous. Ça, vous le savez depuis belle lurette. Mais vous savez bien que, bien qu'il y a ce complexe-là, la Côte d'Ivoire a toujours considéré les pays frontaliers comme des pays frères. Qu'on gagne ou qu'on perde. En tout cas, faut pas on va tâcher notre canne. Faut même pas on va salir l'organisation de ce canne-là. Parce que tous sont unanimes pour dire que depuis que la canne existe, il n'y a pas eu une canne plus belle que celle-là. Donc c'est pas à cause d'une défaite qui n'est pas fort probable d'ailleurs qu'on va bâtir salir ou non. Même si on finit de gagner, qu'on ne n'a pas les supporters maliens. Voilà. On n'a qu'à être humble pour ce match-là. On n'a qu'à être humble. Vous savez combien de fois ces personnes nous attendent au tournant? Vous savez combien de fois? Venez juste supporter l'équipe de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, ne rentrons pas dans la violence, ne rentrons pas dans la provocation. Je sais que je peux compter sur vous. Je sais que je peux compter sur vous. Voilà, c'est la petite vidéo rapide que je tenais à faire. Et tous derrière les éléphants. Petite prière hein, pour les éléphants. Petite prière, si tu es musulman, petit rakat en tout cas, petite prière pour les éléphants. Parce que cette histoire-là, c'est Dieu. Quel dernier mot?